Salut mec, aujourd'hui nous avons une Max Speed Technology traduit en français, c'est drôle évidemment, MST, une RMX 2.0 RTR. Ça, c'est une marque qui s'est développée ces dernières années. Moi je suis pas trop courant parce que c'est pas mon rayon du tout, ce genre de petit machin, Scal, 1 dixième, Drift, tout ça. Mais c'est beau. Franchement, les châssis valent le détour pour le coup d'œil. Le prix te fait faire aussi généralement un détour. On a ici la version RTR, donc tu as le châssis en composite, renfort, transmission par rien du tout, c'est une deux roues motrices. une pléiade d'options avec, tu peux tout avoir en alu, les triangles, les tourelles, la barre de Ackermann, fusée, chape, biellette, tout. Et ce qui n'est pas en alu, tu peux l'avoir en carbone. 10 fabliers en option, plus des kits encore de quoi. Un kit complet de suspension arrière, je ne sais pas quoi. Donc on laissera évidemment les pros de la chose commenter. Ceux qui connaissent, ceux qui savent, sont toujours les bienvenus. Ceux qui ne savent pas, encore plus. Poser des questions, ça ne coûte rien. Donc, typique au véhicule de drift, tu peux braquer les roues à un angle totalement irréaliste. Donc, où est le scale, je me demande. Alors, on te met quand même des disques et des plaquettes. Tu vois, pour que ça ait un look réaliste, tout ça. Le moteur est posé pile poil sur l'essieu en haut. Le fait qu'il soit en haut fait basculer l'arrière, donc ça te fait glisser encore plus. Évidemment, tu as 2 tonnes de réglages avec. Ce qui est très, très intéressant sur ce RTR, c'est déjà livré en brushless. Hobby wing. Cerveau, pignon plastique, ça suffit pour les drifteuses normalement. On verra si on trouve des specs sur la vitesse ou pas. Ceux qui savent évidemment, vous contactez. Et il y a un gyro intégré dedans. Donc le véhicule est vraiment prêt tout de suite à aller drifter. Ce que j'aime beaucoup. Hein, c'est très simple, mais c'est la grande classe de la boîte. Les autres qui faisaient des boîtes sympas comme ça, c'était Vatera. Regarde, tu ouvres ta boîte, tout est en un morceau relié et tu sors ton petit tiroir. La boîte est vraiment solide et ce qui est dans la boîte aussi, donc tu peux vraiment transporter ça direct pour aller sur le terrain. Il manque plus que la petite poignée plastique au-dessus. On a donc une carrosserie de quelque chose Mitsubishi. Ouais, moi je suis pas calé hein, sur ces véhicules, ça m'intéresse pas moi. La radio, vous la connaissez, c'est la même utilisée par Team Magic. Cette radio est bridable sur les gaz et sur les freins. Séparément, elle est bridable direction gauche-droite. Il y a le dual rate gauche-droite. Et il y a l'explication dessus pour régler la drift box ou le gyro, appelez-le comme vous voulez. On a le kit de sticker complet. Alexis a pas tout mis. On a la notice et des pièces en plus. Et des stickers aussi MST Racing en plus, encore neuf. Tout le kit pour mettre donc, les feux dans le véhicule. Je ne parle pas des LED, mais les supports de LED. Pour lui donner un look réaliste, si tu mets pas les... des stickers pour les feux. Très étrange pour moi, la suspension. En fait, tu vois, on a rien, mais c'est tout à fait logique. Ça te permet quand tu driftes, quand tu as justement des petits rebords comme ça, des petits raccords, que les roues vont rester rapidement au sol, puisque cet engin ne fait rien d'autre que de glisser à gauche, à droite sur le plat, avec, comme dit, des fois 2-3 raccords. Donc il faut quand même que ça puisse bouger. Si c'est trop raide, ça donne rien de réaliste. Et là, par contre, ça donne quelque chose de réaliste. Voiture rouge avec jaune blanche, un excellent choix, évidemment. Ça, c'est clair. On adore. Et voici la bébête. On a donc les suspensions qui sont montées complètement à la verticale, hein, puisqu'elles ne sont pas là pour lutter contre le roulis. Le véhicule va glisser, donc il n'y a pas de roulis, ça ne sert à rien. C'est hydraulique, quand même. Il y a de quoi mettre de l'huile, donc à chacun de régler après comme il a envie. Plusieurs points d'ancrage en bas, plusieurs points d'ancrage en haut. Pare-choc classique en mousse avec les supports dessus.
Moi, je préfère franchement vraiment les supports de carreaux sur la tourelle avant, comme à l'arrière ici. Parce que sur les impacts ici, tu fais plier tout le capot. Alors que si le pare-choc est tout seul en bas, il va pas plier tout le capot, ça va pas forcer ses points de fixation. Et quand tu vas enfoncer, bon, il y aura aussi une pliure, mais ça c'est différent. De mon expérience, j'ai vraiment toujours préféré avoir les pots de carreaux direct là-dessus. Assez particulier, regarde la direction. Et les prises là et le bras de levier va jusque là pour pouvoir justement faire ça, ce qui est complètement délirant. J'aime bien la construction du châssis, c'est original, ça change, il était temps qu'on voit une fois autre chose et j'aime beaucoup. Le variteur donc au bout d'une qui crène 50, le récepteur et le gyroscope ici, sur lequel de toute évidence tu peux encore brancher d'autres choses. Donc tu peux le faire agir sur les gaz ou sur les gaz et la direction. Mon avis, tu dois pouvoir gérer tout ça. Évidemment, pas de sauve-cerveau. Moteur 2500 kW, excellent choix en 3652. Ça, c'est un moteur qui remplace à merveille les performances d'un moteur brochette d'origine, tout simplement. Et j'aimerais bien voir ce genre de combo globalement dans les engins pour les débutants. Au lieu d'avoir des moteurs à charbon qui consomment le double, le triple, tu vois, ça. Ce serait un excellent choix dans le Funtech STX par exemple. Là, tu te retrouves vraiment avec une demi-heure d'autonomie, des performances équivalentes, peut-être juste un peu plus de punch au démarrage et un véritable frein quand même. Câblé d'origine en DIN. Si la personne qui l'achète ne peut pas souder et qu'il lui faut autre chose, il suffit de signaler je peux souder tout ce que tu veux dessus. Cardan en ferraille. Noir en plastique, mais avec le petit renfort métallique autour, ça c'est quelque chose qui se généralise ces derniers temps. On n'a pas d'effort sur les essieux de drift, hein, donc ça va bien. À l'arrière aussi, tu peux changer tes angles, il n'y a pas de barre stable puisqu'il n'y a pas besoin. On dit, on veut que ça glisse. Tout ça est obsolète. Le châssis est super léger, j'aime vraiment beaucoup. Dommage un peu toujours ce module Rikiki qui ne fait que siffler, c'est du 48 pitch. Et c'est vraiment dommage. Il est vraiment temps, ça. Par contre, surtout quand tu as des petits cavés comme ça, qui passent sur du module 1 sur ces engins-là, pour arrêter ce sifflement perpétuel. Perpétuel, voilà, on y arrive. Aurait été aussi original de mettre, évidemment, au lieu de pignon-couronne, une courroie, pour diminuer le bruit. Une petite chaîne, comme le Kyosho Fox, qui est un silence absolu, alors que c'est un gros 1/8. Tu peux pas régler tes biellettes. Il n'y a pas besoin, l'engin, comme dit, sorti de la boîte, est réglé pour glisser. Après, c'est à toi de gérer et de rattraper la chose. Chacun son délire, c'est ce qui est beau dans la RC. Il n'y a personne à bord, on peut faire ce qu'on veut, on peut reproduire de réaliste ou faire de l'irréaliste. On peut faire, nous, des sauts atterris à plat, parce que ça nous éclate, et que c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans le terrain. Tu tombes sur une bosse, mais tu n'as pas forcément un contre-appel derrière. Personne ne se promène avec un tractopelle et fait des contre-appels, appels comme ça, tranquille, dans la prairie ou dans le parc public, pour aller en profiter. Donc, tu fais ce que tu peux, et les machines, eh ben, subissent ce qu'elles peuvent aussi. C'est normal. Il n'y a pas de rien de mal là-dedans. Donc, cette machine est à vendre. C'est aussi une machine à Alexis. Donc là, pareil, on a mis un petit coup de nettoyage. Elle a très peu servi parce qu'il s'est aperçu que c'était pas son délire finalement. Même si je l'avais prévenu. Vous me mailez sur rcgarage68@gmail.com. Attention, ce bébé-là n'est pas donné. Hein. C'est pas même si on se dit y a rien, tu vois, il n'y a rien dessus. C'est pas des engins qui sont pas chers. C'est pas l'engin idéal pour débuter le drift pas cher. Ça, c'est clair. Même si à ce prix-là, on aurait aimé avoir un peu plus d'options dessus déjà. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. C'est pas un 4x4, il n'y a pas de diff. Suspension basique, il y a des roues en plastique donc ça coûte que dalle. Donc voilà, mais c'est comme ça. Quand tu veux des belles choses, eh ben, tu payes le développement de ce genre de choses. Ça, c'est le seul truc un peu ennuyant. On a ici la cornière derrière du truc. Ça, vous auriez dû la mettre en haut. C'est le seul défaut que j'ai trouvé.
Et hop, c'est remballé. Pour une fois, je préfère le carton que ce qu'il y a dedans. Salut, mais il est moins pour ceux qui la veulent. Salut.